Bonjour et bienvenue au Carrefour des Cultures avec à l'affiche pour vous aujourd'hui l'ouvrage qui a pour titre Sotelgui, de la coopération Sud-Sud au portefeuille de l'État, 1993-2013. Son auteur, Monsieur Mamadou Paté Barry, nous fait l'honneur de nous tenir compagnie aujourd'hui tout le long de l'émission. Eh bien, on va faire la causette autour de son ouvrage. Mesdames et messieurs, l'émission parenthèse pour le conte d'aujourd'hui, c'est parti. Sotelgui, de la coopération Sud-Sud au portefeuille de l'État, 1993-2013. L'auteur ne cherche pas ici de solution aux problèmes difficiles qu'a connu la Sotelgui, mais montre comment cette société, qui regorgeait d'atouts économiques enviables, disposait d'un taux d'équipement des plus élevés et d'un vivier de cadres de grandes compétences professionnelles, s'est retrouvée 20 ans après sa création face à une situation de cessation de paiement. Bonjour, Monsieur Mamadou Paté Barry. Bonjour, Monsieur. Je peux me permettre de vous serrer la main? Oui, bien sûr. Merci. Avec plaisir. On est très heureux de vous recevoir sur le plateau de Parenthèse. Merci. Et donc, cette émission qui va être exclusivement donc consacrée, mesdames et messieurs, à cet ouvrage, Sotelgui, de la coopération Sud-Sud au portefeuille de l'État, 1993-2013. Ça veut dire tout simplement que votre ouvrage porte sur, on va dire, une décennie de la Sotelgui. Plus que ça, les 20 ans de vie de Sotelgui. Voilà, les 20 ans... Elle a été créée en 1993, oui. Elle a arrêté ses activités en 2013. Oui, en 2013, 20 ans, j'ai dit, deux décennies donc. Donc oui. La Sotelgui, pour les téléspectateurs, notez qu'il s'agit de la Société des Télécommunications de Guinée. Oui. Voilà. Et puis, historique, Sotelgui. Sotelgui, d'ailleurs, qui a fait couler beaucoup de salive, à tort ou à raison. Mais ce que vous faites dans cet ouvrage, en tout cas, d'après ce qu'on a pu lire, en fait, c'est vraiment un travail de mémoire. C'est basé sur une étude, et il y a énormément d'informations, mais avant d'aller, comme le titre l'indique, avant d'aller sur la Sotelgui, vous avez pris le soin de, d'expliquer le contexte qui prévalait non seulement au niveau national, donc en Guinée, mais pas seulement, le contexte international d'abord, qui a amené à une restructuration de la Sotelgui, contexte économique, politique, social, etc. Vous expliquez tout ça de façon très méthodique, d'ailleurs, pour nos téléspectateurs. On vous invite vraiment à lire l'ouvrage, parce qu'effectivement, il nous édifie. Mais au-delà de décrire cet ouvrage-là, nous, en tant que lecteurs, on y voit un appel que vous adressez à l'élite guinéenne. Vous adressez un appel à l'élite guinéenne, vous adressez un appel à tous les grands commis de l'État pour ce qui concerne la responsabilité qu'on peut avoir quand on est responsable de gérer une entreprise d'État. Amène à gérer des deniers publics, etc. Il y a une responsabilité qui est attachée à ces fonctions-là. C'est une façon aussi pour qu'on l'a perçu, pour vous, de dire attention, devant l'histoire, devant les populations, on a une responsabilité, il faut qu'on fasse attention. Oui. Et votre travail porte justement sur l'exemple qui porte sur la Sotelgui, qui quand même a connu des moments, on va dire, qui a fait rêver les Guinéens avant de sombrer aussi. Alors, donc, je vais vous donner la parole, parce que c'est vous qui avez écrit, mais on se donne le plaisir aussi d'en parler, parce qu'on l'a lu et on l'a, en gros, aimé, parce qu'on a découvert des choses qu'en tant que lecteur, on ne savait pas. L'ouvrage est à la fois, mesdames et messieurs, si vous venez seulement de vous joindre à nous pour le compte de ce numéro parenthèse, alors je rappelle que l'émission d'aujourd'hui est consacrée exclusivement à l'ouvrage de Monsieur Mamadou Paté Barry, et son ouvrage qui porte sur la Sotelgui, et le titre c'est « Sotelgui de la coopération Sud-Sud
au portefeuille de l'État. On fait la causette avec lui justement sur son ouvrage. Alors dites-nous, on va commencer comme ça. Vous avez dit sauter le guide de la coopération Sud-Sud au portefeuille de l'État. Vous avez précisé de 1900, bah, ça veut dire que c'est sur la période de 1993 à 2013. Déjà, pourquoi avoir choisi ce titre-là? Évidemment, le lecteur découvre dans l'ouvrage cette coopération que vous indiquez, mais avant la coopération, il y a d'autres choses que vous évoquez dans le livre. Je vous remercie. Je remercie toute votre équipe. Hein. Merci. C'est une opportunité donc pour moi de donner un peu de commentaires sur ce livre, qui est en fait le second que je viens d'écrire. D'accord. J'ai écrit un premier livre qui concerne l'évolution. Le titre, c'est l'évolution du secteur des postes et télécommunications de l'indépendance en 1958 jusqu'en 2015. D'accord. C'était pour essayer de camper les différentes transformations que le département a connues depuis l'indépendance de ce pays. Alors, Sauter le guide, donc, est le second ouvrage. Pourquoi ce titre? J'avais au départ opté pour deux titres. Oui. Le premier titre, c'était Sauter le guide à mi-chemin. Oui. 1993-2000. Mais par après, et le second, donc, c'est celui-là, de la coopération sur le portefeuille de l'État. La commission de lecture de Harmattan m'a finalement proposé d'opter pour ce second libellé, que j'ai trouvé pertinent aussi. Oui. D'autant plus que Sauter le guide créé en 1993, qui a connu une assistance technique entre juillet 93 et décembre 94, et qui a été privatisé donc en décembre 94, et qui a vécu une période donc de collaboration avec un partenaire stratégique qui est TMB pour 10 ans, qui s'est achevé en 2005. Oui. De 2005 jusqu'à 2013, Sauter le guide ayant rejoint le portefeuille de l'État, il a été géré par des cadres nationaux. Oui. Donc voilà un peu ce qui justifie le titre de la coopération sud-sud au portefeuille de l'État. Oui. Coopération sud-sud parce que c'était le nom et l'appellation qui avait été donnée, effectivement, la Malaisie et la Guinée. Oui. Voilà, donc c'est pour cela que ce titre a été donné. Mais c'est intéressant, justement, Sauter le guide de la coopération sud-sud au portefeuille de l'État. C'est le titre donc, de l'ouvrage, il nous apprend, c'est le deuxième ouvrage. On aura peut-être l'occasion de vous recevoir pour le premier ouvrage. Ce que je voulais signaler pour, à l'attention de nos téléspectateurs, eh bien, c'est que vous êtes un spécialiste, un professionnel du milieu des télécommunications. Et, à la quatrième de couverture, on voit bien, c'est indiqué. Et là, Mamadou Paté Barry est ingénieur économiste, inspecteur principal de la gestion des télécommunications et membre agréé du TEMIC au Canada, membre fondateur de Sauter le guide. Donc justement, et ça devient intéressant à partir du moment où vous-même, vous parlez de la Sauter le guide, mais vous-même, vous avez occupé de hautes fonctions au sein de la Sauter le guide. Alors, donc on va revenir. Avant même de parler de coopération sud-sud, vous avez parlé de coopération technique. Il y a un certain nombre d'entreprises françaises qui ont déjà assisté techniquement Sauter le guide. Et puis, j'ai dit que vous décrivez le contexte qui a prévalu à tout ça. Avant qu'on arrive à la privatisation, il y a déjà eu, il y avait un contexte social, un contexte économique au niveau international. Et vous signalez dans votre ouvrage, et ça c'est intéressant, vous signalez dans l'ouvrage que c'est quand même la Banque mondiale qui est à l'origine de cette privatisation. D'abord, parce qu'on était en plein mesure d'ajustement structurel. Très bien. Effectivement, à l'époque à laquelle Sauter le guide a été créé, c'était dans un contexte un peu particulier. Oui. D'abord, au plan international, c'est le vent de privatisation. Oui. Donc, la Guinée n'était pas le seul pays concerné par cela. Oui. Et les télécoms en général et les sociétés nationales de télécommunications avaient fait l'objet de restructuration globalement au niveau mondial, mais surtout au niveau régional. Oui. Et donc,
la Guinée n'a pas échappé. Et au niveau interne, il y avait le vent de restructuration. Oui. À la suite du discours programme de décembre 85. Oui. Et donc, entre autres restructurations, la décision a été prise de restructurer les télécommunications dans le cadre de créer des entités autonomes qui vont s'autogérer et qui ne sont pas sous le joug de l'État, étant donné que leur exploitation constituait un poids important pour l'État. Oui. C'est ainsi que la décision a été prise. Je vais être très court à ce niveau. Oui, allez-y. La décision a été prise de restructurer les télécommunications. Et à ce titre, donc, la Banque mondiale s'est impliquée et puis des termes de référence ont été faits. Oui. Et il a été décidé de faire d'abord une étude de restructuration. Oui. Un appel d'offres a été lancé. C'est la société allemande Deticon qui a remporté l'appel d'offres. Et donc, l'étude a été faite et nous, en tant que bureau d'études, on était donc les mieux indiqués pour collaborer avec l'équipe de restructuration. Oui. C'est ce qui fut fait. Mm-hmm. Et nous avons été repartis selon les domaines d'activité. Et comme moi, j'étais déjà dans le domaine de l'économie et des finances, des télécoms, donc moi, j'ai servi d'homologue à l'expert économiste qui faisait l'étude, les analyses financières. Oui. Donc, à résumé de tout, la Sotelgui, suite à cette étude qui a recommandé la création d'une société de télécommunications et d'un office de poste. Oui. Et ça, c'était en 92. Hein. Oui, oui. Et donc, effectivement, en exécution des directives de cette étude-là, donc Sotelgui a été créé. Et l'office de poste OPG aussi a été créé. En ce moment-là, au moment de cette création, il y avait une fusion qu'on appelait PTT depuis belle lurette. Oui. C'est ce que beaucoup de nos parents ont connu, juste PTT. Et jusqu'à présent, ils disent PTT. Moi, jusqu'à présent, on me dit, est-ce que tu es toujours à la poste? Alors qu'il y a eu cette séparation. Oui. Et donc, on a créé la Sotelgui. Et lorsqu'on a créé la Sotelgui, je ne parlerai ici que du chemin suivi par Sotelgui. Oui. Lorsqu'on a créé Sotelgui, donc, à la faveur de la Banque mondiale, il a été proposé de mettre Sotelgui sous une position hiérarchique, c'est-à-dire recruter un partenaire, un opérateur professionnel, et puis, à la suite de ça, donc, que l'opérateur professionnel envoie ses équipes et qu'au niveau de toutes les directions, que ce soit d'abord les spécialistes de cet opérateur-là, et les adjoints vont être les Guinéens. C'est ce qu'on a dit en position hiérarchique. Oui. Donc, ils sont venus, c'est eux qui coiffent pratiquement tout. Oui. Et leurs adjoints sont directement les Guinéens. Oui. Moi, j'étais, par exemple, le directeur financier adjoint. M. Telgui. Oui. Mon directeur s'appelait M. Segar. Mm. Alors, ce sont ces Français-là qui sont arrivés, donc, de France Câble Radio. Mm-hmm. Ils sont arrivés ici au mois de juillet 1993. Oui. Alors, il n'y avait pas de direction ressources humaines, il n'y avait pas de direction logistique. Oui. Et donc, ils ont mis sur pied rapidement une structure directionnelle qui est composée de différents organes essentiels. Mm-hmm. Donc, la direction commerciale, la logistique, les ressources humaines. Et rapidement, on a procédé au transfert des effectifs de la direction nationale des télécommunications vers la société. C'était au 1er janvier 94, que tout ça a été concret. Mais il y a eu un travail préalable qui a été fait. En l'occurrence, le changement des imprimés pour les spécialiser, pour les dédier Sotelgui. Oui. Et les imprimés postes sont postes. Oui. Mais les imprimés Sotelgui et toute l'activité Sotelgui, donc des télécoms, devraient faire l'objet d'un imprimé spécifique. Ce qui n'était pas facile à faire. Oui. Et tout ça a été fait, tout ce travail préalable. Et donc, finalement, l'équipe de France Câble a fait un travail vraiment majeur. Vous le dites dans le livre. Il a développé l'esprit d'entreprise au sein de chaque agent. Mm-hmm. Le règlement intérieur a été très bien travaillé, structuré et exécuté. Et chacun savait en quelque sorte
ce qu'il avait à faire. Oui. Donc la société a été sur pied. Et c'est cette beauté de la société, d'ailleurs, qui a fait que le lendemain du départ des Français, les cadres guinéens qui sont venus là ont continué dans la même cadence. Oui. Oui. Sous l'effet d'entraînement de ce que l'équipe française a laissé. Ils étaient enthousiastes. Tout le monde était enthousiaste. Ouais. On croyait. Ouais. Il y avait de la vision. Ouais. On croyait vraiment. Ouais. Et donc, les cadres guinéens qui étaient là ont continué. Et rapidement, moi j'étais directeur financier, je tenais ce qu'on appelle le recueil d'indicateurs de performance. Et vous aviez là toutes les performances financières, commerciales, logistiques et tout ce que ressources humaines. Et donc, dès que les Malaisiens, d'abord il y a eu un appel d'offres. Oui, qui n'a pas porté fruit. L'appel d'offres n'a pas porté fruit. Mais pourquoi? Parce qu'effectivement. Au lendemain des Français, donc il y avait eu un appel d'offres qui a été organisé. C'est bon de rappeler que le premier conseil d'administration était piloté par l'actuel docteur Kassori Fofana. Oui. Et donc, toutes ces différentes séquences-là étaient dirigées, orientées par l'actuel Premier ministre. Oui, alors, c'est bon de le rappeler. Docteur, oui, et donc, après l'appel d'offres infructueux, et donc, il y a eu un voyage vers la Malaisie, un voyage du président de la République, le général Lansana Conté. Et c'est à cette occasion, donc, qu'une équipe, notamment Télécom Malaisie, s'est décidée à venir regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire en Guinée. Oui. Et donc, quand ils sont venus voir dans beaucoup de ministères, mais ils sont venus aussi chez nous. Et quand ils sont venus chez nous, on leur a donné le recueil d'indicateurs, on leur a expliqué tout ce qui se faisait là-bas. Mais à leur départ, deux jours après, troisième jour, en partant, ils ont dit, bon, si nous devons venir en Guinée, notre porte d'entrée sera la Sotelgi. Ça, ils nous ont dit ça avant de partir. Donc, c'était déjà précurseur de quelque chose et ça n'a pas duré. Donc, le contrat de Jean Venture a été signé. Justement. Voilà ce que je... Oui. Alors, Sotelgi, alors c'est le titre de l'ouvrage de Mamadou Paté-Barry. Justement, avec nous sur le plateau pour en parler. Effectivement, vous faites bien de parler de ça, cet appel d'offres infructueux auquel où il y avait des Allemands et des Français qui avaient voulu postuler. Il avait même été question à un moment donné de soit refaire l'appel d'offres, reconsidérer les termes de référence ou alors procéder autrement. Et finalement, ça s'est passé avec... les Malaisiens. En fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé d'intéressant. C'est bon de le citer. Allez-y. Parmi les postulats, il y avait France Télécom. Oui. Je pense bien. Oui. Alors, chacun se disait, comme déjà France Câble Radio est venu travailler. Occuper le terrain, travailler ouais. et remettre vraiment la société sur les rails. Ordre, sur les rails. Ouais. Chacun s'est dit, France Télécom, si France Télécom reprend, on a insinué que ça peut être une suite logique et ça peut permettre de développer les programmes que l'équipe de France Câble a laissé. Oui. D'ailleurs, mais, oui, allez-y, excusez-moi. Oui. Alors, lorsque ils ont présenté leur offre, ils ont absolument minimisé les actifs. Les actifs, ils les ont pris à 10 milliards. Bon, si c'est de l'indiscrétion, je ne sais pas, mais ils ont pris à 10 milliards. Or, on avait des actifs évalués à près de 34 milliards. Oui. Alors, il y a eu la polémique et finalement, puisque nous, il fallait au moins la minorité de blocage qui faisait un peu les 30 milliards. Et ainsi donc, je crois, l'offre n'a pas été retenue. Est-ce qu'il était vraiment intéressé? Je n'en sais rien. Mais c'est ce qui a fait, c'est eux qui avaient le plus grand atout pour reprendre la Sotelgi. Bien sûr, oui. Voilà. Parce que d'ailleurs, Mais la question, c'est à cause de ces actifs-là, ils ne sont pas entendus avec le gouvernement pour la valeur des actifs qu'ils ont proposés. Oui. Voilà. Alors, donc, justement, finalement, l'appel d'offres, enfin, justement, les Malaisiens vont être intéressés. Et puis, dans l'ouvrage, vous indiquez que c'était un coût global de financement sur 1 milliard de dollars pour 10 ans.
et il y a toute une procédure, il y avait des étapes, et puis vous évoquez aussi dans l'ouvrage, et ça, ça nous a paru vraiment intéressant. Alors, il faut le signaler, de passage, vous rendez hommage aux cadres guinéens qui, sous l'ensemble de la procédure, ont travaillé dur. Il y a eu beaucoup de missions, de formations, etc. Et puis oui, vous rendez hommage aussi à l'actuel président, l'actuel Premier ministre Kassori. Vous témoignez là-dedans qu'il faisait preuve d'un franc-parler. Et puis d'ailleurs, il a même été, à un moment donné, il a eu une double casquette à un moment donné. En plus d'être le président du conseil d'administration, il a dirigé à un moment donné une commission justement dans le cadre de la restructuration, etc. Oui, la commission de la privatisation. La commission de la privatisation. Oui. Parce que la privatisation ne s'est pas faite d'un coup. C'est vraiment, il y a eu plusieurs phases d'ailleurs. La privatisation, c'est un processus qui n'est pas facile à mener. Oui. Il y a des séquences importantes dedans. Et les acteurs qui sont mêlés à cette privatisation, ce sont des acteurs majeurs qui savent de quoi il s'agit. Donc, la collaboration avec des acteurs comme la Banque mondiale et autres, il faut vraiment une bonne inspiration. Lorsque toutes les conditions ne sont pas réunies au niveau national, il faut une inspiration forte pour pouvoir donner de l'orientation et atteindre un objectif quelconque. Oui. C'était le cas, justement, de ce comité de privatisation à un moment où les gens ne savaient même pas ce que c'est. Personne ne savait. Oui. Et donc, c'était... pour certains, c'est de l'aventure. Oui. C'est comme la privatisation de télécommunications. Oui. Regarde les avantages que cela a apporté. On peut dire que parmi toutes les privatisations, celle du pétrole et celle des télécoms, vous en parlez dans ont l'ouvrage. Été les plus réussies, révolutionnaires. En tout cas, qui ont eu le plus grand impact. Oui. Sotelgui a disparu de la circulation, on va dire comme ça. Oui. Mais regarde. Oui. C'est comme si. Une évolution. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la chose est en train de se calmer comme ça, comme si ça n'a pas existé. Oui. Or, le télécom, c'est quelque chose de tellement important qui a révolutionné notre vie. Oui. Et qui est avec nous. Oui. Qui a rassemblé les hommes et qui est le phénomène démocratique le plus puissant. Oui. Comment permettre à ce qu'une société qui a été celle du pays, à l'avant-garde, qui a existé, qu'on n'en parle même pas. Je dis non. Je dis, il faudrait au moins qu'on en parle. Oui. Parce que les télécoms, aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Non, et puis surtout, ça, on doit vous le dire, ça, c'est au niveau du... Enfin, c'est le point de vue du lecteur que je suis. Oui. C'est que votre ouvrage...